Julien Trépide, le castor patibulaire, le un peu gros, mais pas trop quand même, comme soi. Vous êtes parti en Inde pour un rendez-vous inter-inconnu, puis escale au Québec. Vous êtes arrêté quelques jours à Casablanca pour un one-man show où vous avez mis le feu, puis en Suisse, mais vous ne vous arrêtez jamais. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal voyagé entre la tournée. Ben, c'est une ville par jour, hein, donc on change beaucoup. On se retrouve dans le sud un jour, et puis le lendemain... En Alsace, en Lorraine, voilà. On peut dire que l'humour n'a pas de frontières avec vous. L'humour n'a pas de frontières. C'est le pays peut-être le plus dur à appréhender quand on est humoriste, c'est le Québec. Parce que l'humour n'est pas le même, là, tu sais. Oui. La bulle, j'ai dit quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux qu'ils aient du fun, il faut adapter le ton show, là, sinon ils comprennent rien. Ils n'ont pas capoté, là, tu sais. Mais nous aussi, on comprend presque rien. C'est pas facile, là, de le comprendre. Cet accent. Cet accent, oui, il est terrible, là. Il est terrible, c'est vrai qu'il est à couper au couteau. Moi, ma femme est québécoise, figurez-vous, j'en parle dans le spectacle d'ailleurs. Et je dois vous avouer qu'elle a vraiment gommé son accent. Elle ne l'a que quand elle s'énerve ou quand elle prend du plaisir. Ah. Inutile de vous dire qu'il revient souvent. Ça va ? Ouais ! Je voudrais un enfant massif énervé, oui. Ça va ? Non ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je peux rien faire pour vous, moi. Ah si, si. Si, je peux vous emmener en vacances. Bienvenue au Maroc! Bienvenue à Darwalou! Je m'appelle Isabelle. Je suis ravie de vous accueillir dans notre maison d'hôte, au cœur de la Palmeraie. Darwalou, c'est un endroit sublime. On a posé notre petit baluchon il y a 3 ans. Un retour aux vraies valeurs. Une évidence. Bon, c'est surtout qu'Éric venait de faire son 4e AVC. Ah non, 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 non. Il est content quand il y a du monde. Dis bonjour, chérie. Ah non, 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 non. Donc, qu'est-ce que vous réservez au public municipantin ? Écoutez, une série de hors-d'œuvre, tout d'abord. Un spectacle, mon spectacle de Maison Sévade, une galerie de personnages. Ça va d'un gynécologue qui aime les femmes, énormément, à justement ma femme québécoise, en passant par Bitou le castor qui revient, la petite mascotte de mon spectacle. Il est perdu dans la forêt ? Oui. C'est Bitou. Vous allez lui faire pleurer ? Oui, oui, bah oui. Mais je sens une grande sensibilité en vous. Hein. Oui. Voilà. Et donc, du coup, bah voilà, on va passer des bulles d'oxygène aux bulles spéculatives, en passant par les bulles de champagne et les bulles de radioactivité. On est entouré de bulles ce soir. Ah, c'est ça. Musique ! Voilà ! Thank you.
voilà, donc je voulais vous demander quel genre de personnage vous alliez... je vous dis, il y en a plein, il y en a une douzaine. Ça va d'un couple de bourgeois qui s'installe à Marrakech pour faire une maison d'hôte, qui se comporte avec tout le monde comme s'ils étaient au temps de la colonisation. Oh, quelle horreur. Oui, ils sont épouvantables, ceux-là. Mais c'est souvent des monstres, hein, mes personnages. C'est souvent des gens assez cyniques, assez décalés. Et c'est ce décalage par rapport à une réalité qui leur échappe complètement, qui est drôle, qui est effrayant parfois. Et je trouve qu'on vit au milieu de gens qui sont comme ça, complètement décalés, qui ne réalisent pas, qui ne réalisent pas l'injustice, qui ne réalisent pas ce qui est beau, ce qui est laid, la misère. Voilà. Votre inspiration, c'est la vie au quotidien. C'est des personnages que je prends en photo. Bon, je tire un peu le fil pour en faire des personnages caricaturaux et à la manière du clown, parce que c'est vraiment grand public et il y a beaucoup de choses qui passent par mon physique, par mon corps. Mmh. Et dès souvent, je trouve ça très joli, et dès souvent, vous avez les montres et nous on a le temps. C'est joli, hein? C'est joli, oui. C'est joli, mais c'est chiant. Voilà, je vais vous conduire à vos chambres si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous demandez Isabelle. Vous allez voir Darwin où c'est l'endroit idéal pour se poser. Et puis vous avez de la chance, vous restez 3 jours. Ou plutôt, vous ne restez que 3 jours. Moi, c'est toute l'année. Et franchement, je me fais chier. La palmarès, c'est le désert. Et le désert, c'est désert. Et c'est pas l'autre locum qu'on peut appeler une distraction. Et on en voit, Parfois, quand je te vois, j'ai envie de tirer dans la foule. Si seulement il y avait une foule. Mais il n'y a personne ici. C'est mort. J'en ai marre. J'entrais dans le creusot. Arrête. Alors, vous avez connaissance du slogan que certains ont fait sur vous ? Oui, alors il y en a quelques-uns. Il y a deux maisons des ménages, deux maisons... Bah, moi, j'en ai un bon. Oui. C'est deux maisons bâties pour durer. Oh, j'aime bien. J'aime bien ces images du bâtiment. Ah oui ? Bah oui, je suis creusois. Vous savez, ma famille est de la Creuse. C'est des maçons en Creuse. Donc, voilà. Ah, en Creuse. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus délirer et qu'est-ce qui vous fait vous évader dans la vie ? Bah, écoutez, le fait de jouer mon spectacle sur scène. Il y a une liberté, une envie dont j'ai pas encore fait le tour. Je suis content d'être ici à quelques heures de mon spectacle. Vous avez le trac ? J'ai toujours un peu le trac. Je trouve que c'est une politesse vis-à-vis du public. Mmh. Et une fois que j'entends le public réagir, que je reçois cet amour, le trac, il se transforme en une émotion qui est décuplée et j'ai envie de m'abandonner complètement à mes personnages et au public. Mmh. Je t'avoue que la bourse a extrêmement mal réagi à la longueur de ta mère. Je vais donc me délocaliser à Tahiti et recruter localement. Non, je plaisante que je suis pour que les couples durent. Et vous le savez comme moi, pour que les couples durent, il faut être à l'écoute de l'autre. Avoir un sens profond de son altérité. Et surtout, ne pas se faire prendre. Bienvenue dans ce training, tromper sans se faire choper. Donc, est-ce qu'on peut reparler de votre film où vous interprétiez Coluche ? Avec plaisir, Ben oui, ça a été une expérience d'acteur incroyable. Et ben, c'est un personnage que j'adorais, Coluche. C'est un personnage qui était vraiment complètement... atypique, qui manque à notre société, parce qu'il avait cette place du vrai bouffon insolent, qui n'avait pas peur et qui prenait comme ça la connerie humaine en frontal. Voilà, il nous manque à tous, Coluche, donc pouvoir jouer comme ça le pape des comiques. Est-ce que fait d'avoir joué ce rôle, ça vous a transformé Oui, ça m'a transformé, à la fois parce que j'ai fait un travail d'acteur ultime, extrême, camper un personnage qui a déjà existé, qui plus est un homme de scène. Et je crois que ça m'a aidé à développer un peu mon insolence, ma liberté, mon culot. Coluche avait un culot et une insolence qui dépassait qui cassait tout, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que voilà, peut-être que mes spectacles, depuis que j'ai joué Coluche, sont plus insolents sur scène. La première règle essentielle, notre portable. Le portable, c'est un outil extrêmement utile, surtout quand on veut téléphoner. Eh bien, le portable peut aujourd'hui représenter un véritable danger. Danger parce que SMS. Exemple, Bruno, premier rang. Deuxième rang. Un mariage sublime avec Nadine, 3 enfants.
Eh bien, Bruno, tout basque. À cause d'un je te boufferai bien la chatte. Qui ne souffre aucune ambiguïté. On ne dit pas ça à sa maman. On ne dit pas ça à un camarade, même si c'est un très bon camarade. Bruno, tu as appelé Nadine ta moitié, tu avais raison, elle est partie avec la moitié. Donc star de l'humour, comédien, et puis on va pas tout dévoiler. Et en plus, vous êtes un homme de grand cœur, parce que j'ai appris que vous étiez parrain d'une association, donc c'est Handi Graphique. Oui, Handi Graphique, je suis parrain de plusieurs associations Handi Graphique, qui vise à effectivement insérer les personnes handicapées dans l'entreprise. Mmh. Parrain aussi du Rire Médecin, qui est une magnifique association. En Belgique ? Non, en France. En France ? En France, c'est vraiment, je dirais, une association qui porte bien son nom, puisque c'est des clowns qui vont visiter les enfants dans les hôpitaux. Mmh. Et puis, j'essaie de temps en temps d'être présent sur des événements pour l'association ELA ou pour C'est que du bonheur, l'association d'Hélène-Cy. Voilà. Tout ce qui est lié à l'enfance, je m'aperçois finalement, me touche beaucoup. Mmh. Portable veut dire aussi quitte main libre. On ne le branchera pas. C'est votre amant ou votre maîtresse qui appelle. Thierry, premier rang. Salut Thierry. Tu te souviens de ce départ en vacances au Tunisie? Sur l'autoroute A7 à hauteur de Valence, tu branches le kit main libre de l'espace Renault familial. Et toute ta famille, même ta belle-mère, profite d'un ou tu m'as bien démonté hier. Le petit Paul, 5 ans, a cru à ton histoire de Lego. Il est bien seul. Notre conseil est donc d'éteindre votre portable quand vous rentrez chez vous. Vous pouvez dire, chérie, je coupe mon portable, car je veux un véritable moment d'intimité avec toi. C'est ça, Stéphane, rigole. Mais dis-toi que celui qui le fait, ta femme aussi, elle le fait. Hein? D'ailleurs, cette semaine, la meilleure élève, c'est Sophie. Sophie qui a appliqué à la lettre la technique dite du changement de prénom dans répertoire. Jorgen, ton prof de yoga, est devenu Yolande de la comptabilité. Bien vu, Sophie, ça fait 8 mois que ça dure, ton mari ne t'a pas chopé. Sophie. On t'applaudit. Deuxième règle essentielle, l'hôtel. Je vais à l'hôtel, je paye en liquide. Je ne donne pas mon vrai nom. Les sportifs se feront appeler Zinedine Zidane, Sébastien Chabal. Les cinéphiles prendront un nom d'acteur qu'ils aiment bien. Si vous saviez. Le nombre de François-Xavier Denis. Qui copule dans les hôtels de Pont-à-Mousson. Vous n'allez pas pouvoir visiter Pont-à-Mousson, je suppose. Mais écoutez, je l'ai un peu visité en arrivant déjà. Je sais que ce soir, je dors à l'abbaye. Donc. Privilège. Mais oui. C'est magnifique. Bon, il paraît. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Je suis très heureux de dormir à l'abbaye des Pont-à-Mousson. Voilà. Ouais, bah alors, au défaut de ne pas pouvoir visiter tout Pont-à-Mousson, vous allez savourer le chaleureux accueil que les Mussy-Pontins vont vous réserver ce soir. Bah écoutez, j'espère. En tout cas, je sais que le public lorrain est un super public. J'ai joué la semaine dernière à Florange. Mmh. C'était magique. Mmh. Je reviens au mois d'avril à Sarreguemines. Donc la Lorraine est un... Je dirais une région qui m'accueille les bras ouverts et merci les Lorrains. De manière générale, instaurez un climat de confiance avec votre conjoint, qu'il ou elle ne vous pose pas trop de questions. À la question, chérie, pourquoi rentres-tu bourré à 4h du matin de ta réunion de travail? Répondez tout simplement, chérie, je bosse. Tu as ton univers, j'ai le mien. N'oubliez pas que les gens qui vivent ensemble, on les appelle les conjoints.